T'as failli assommer le messie à peu près. Arrêtez. Thank you.
Tu sais comment ça marche? Je suis capable de rouler vos fils à la fin aussi. Correctement. Je l'apprends à mes enfants aujourd'hui. Je suis vraiment très bon. Thank you.
Ah, moi, c'était un an. Thank you.
Quoi? 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 Bonjour. Bonjour. La célébration eucharistique va bientôt commencer. S'il vous plaît, nous vous demandons de ne pas prendre de photos pendant la célébration. Nous vous souhaitons un excellent moment de prière, unis dans la fraternité, la foi et l'amour de Dieu. Je vous invite à prendre un instant de recueillement en attendant le début. Si vous voulez bien prendre place, prendre un moment de recueillement pour la célébration. Merci.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde et de réconciliation, tu offres maintenant aux hommes des jours de salut pour qu'ils reconnaissent en toi le Créateur, le Père de tous. Viens à notre aide dans ta bonté. Fais-nous accueillir sans réserve ta parole de paix et adhérer à ta volonté de récapituler toutes les choses dans le Christ. Lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité de l'Esprit Saint, Dieu, pour les siècles des siècles. J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. Le Seigneur reprit, qui donc t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? L'homme répondit, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. Le Seigneur Dieu dit à la femme, qu'as-tu fait là? La femme répondit, le serpent m'a trompée
et j'ai mangé. Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les en revêtit. Nashkomado Chemdo Dimo, parole du Seigneur. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près de lui abonde le rachat.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résident à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous, nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau. Elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire? » Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Acclamons la parole de Dieu. El viaje de los discípulos de Emaús al final del Evangelio de San Lucas es una imagen de nuestro camino personal y el camino de la Iglesia. En el curso de la vida y de la vida de fe, mientras llevamos adelante los sueños, los proyectos, las ilusiones y las esperanzas que viven en nuestro corazón, enfrentamos también nuestras fragilidades y debilidades. Experimentamos derrotas y desilusiones. Y tantas veces quedamos bloqueados por un sentimiento de fracaso que nos paraliza. Pero el Evangelio
nos anuncia que precisamente en ese momento no estamos solos. El Señor sale a nuestro encuentro, se pone a nuestro lado, recorre nuestro mismo camino con la discreción de un transeúnte amable que nos quiere abrir los ojos y hacer arder nuestro corazón. Así, cuando las decepciones dejan espacio al encuentro con el Señor, la vida vuelve a nacer a la esperanza y podemos reconciliarnos con nosotros mismos, con los hermanos y con Dios. Le voyage difficile de Emmaüs à la fin de l'évangile de Saint-Luc est une image de notre route personnelle et de celle de l'Église. Sur le chemin de la vie et de la vie de foi, tandis que nous poursuivons les rêves, les projets, les attentes et les espérances qui habitent notre cœur, nous nous heurtons aussi à nos fragilités et à nos faiblesses. Nous expérimentons défaites et délusions. Et parfois, nous restons prisonniers du sentiment d'échec qui nous paralyse. L'Évangile nous annonce que précisément à ce moment-là, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur vient à notre rencontre, se joint à nous, marche sur la même route que nous, avec la discrétion d'un voyageur aimable qui veut rouvrir nos yeux et embraser de nouveau notre cœur. Et quand l'échec laisse place à la rencontre avec le Seigneur, la vie renaît à l'espérance et nous pouvons nous réconcilier avec nous-mêmes, avec nos frères, avec Dieu. Sigamos el itinerario de este camino que podemos titular del fracaso a la esperanza. En primer lugar está el sentimiento de fracaso que anida en el corazón de estos dos discípulos después de la muerte de Jesús. Habían perseguido un sueño con entusiasmo. En Jesús habían puesto todas sus esperanzas y sus deseos. Ahora, después de la escandalosa muerte en la cruz, le dan la espalda a Jerusalén para volver a casa, a la vida de antes. El suyo es un viaje de regreso, como queriendo olvidar aquella experiencia que les ha llenado de amargura sus corazones, aquel Mesías condenado a muerte como un delincuente en la cruz. Vuelven a casa abatidos, con el semblante triste. Las expectativas que se habían creado quedaron en nada. Las esperanzas en las que creyeron se desmoronaron. Los sueños que habían querido realizar dejaron paso a la desilusión y a la amargura. Suivons donc l'itinéraire de ce chemin que nous pourrions appeler de l'échec à l'espérance. Avant tout, il y a le sentiment de l'échec qui habite le cœur de ces deux disciples après la mort de Jésus. Ils avaient poursuivi un rêve avec enthousiasme. En Jésus, ils avaient mis toutes leurs espérances et tous leurs désirs. Maintenant, après la mort scandaleuse sur la croix, ils tournent le dos à Jérusalem pour rentrer chez eux, à la vie d'avant. Leur voyage est un voyage de retour, comme pour vouloir oublier cette expérience qui a rempli d'amertume leur cœur. Ce Messie mis à mort comme un malfaiteur sur la croix. Ils rentrent chez eux, abattus, tout tristes. Les attentes qu'ils avaient cultivées sont tombées dans le néant. Les espérances en lesquelles ils avaient cru ont été brisées. Les rêves qu'ils auraient voulu réaliser laissent place à la déception et à l'amertume. Esta experiencia que atañe también a nuestra vida y del mismo modo al camino espiritual en todas las ocasiones en las que nos vemos obligados a redimensionar nuestras expectativas y aprender a convivir con la ambigüedad de la realidad, con las sombras de la vida y con nuestras debilidades.
es algo que nos sucede cada vez que nuestros ideales afrontan las decepciones de la vida y nuestros planes caen en el olvido por culpa de nuestras fragilidades. Cuando empezamos proyectos de bien, pero no tenemos capacidad de llevarlos a cabo. Cuando en las actividades que nos ocupan o en nuestras relaciones experimentamos antes o después una derrota, un error, un revés, una caída. Esto sucede mientras vemos derrumbarse aquello en lo que creímos o con lo que nos comprometimos, y también cuando nos sentimos bajo el peso de nuestro pecado y del sentimiento de culpa. C'est une expérience qui concerne aussi notre vie et notre cheminement spirituel. En toutes ces occasions où nous sommes contraints de redimensionner nos attentes et de faire face aux ambiguïtés de la réalité, aux ténèbres de la vie, à nos faiblesses. Cela nous arrive chaque fois que nos idéaux se heurtent aux désillusions de la vie et que nos intentions sont ignorées à cause de nos fragilités. Lorsque nous cultivons des projets de bien, mais que nous n'avons pas la capacité de les mettre en œuvre. Lorsque dans les activités que nous menons ou dans nos relations, tôt ou tard, nous faisons l'expérience d'une défaite, d'une erreur, d'un échec ou d'une chute, tandis que nous voyons s'effondrer ce en quoi nous avions cru ou nous étions engagés, tandis que nous nous sentons écrasés par notre péché et notre culpabilité. Y esto es lo que le sucedió a Adán y a Eva, como vimos en la primera lectura. Su pecado no solo los alejó de Dios, sino que los distanció el uno del otro. No hacían más que acusarse mutuamente. Y lo vemos también en los discípulos de Emaús, cuyo malestar por haber visto derrumbarse el proyecto de Jesús solo le dejaba espacio para una discusión estéril. Lo mismo se puede verificar en la vida de la Iglesia, esa comunidad de los discípulos del Señor que representan los dos de Emaús. A pesar de que la Iglesia es la comunidad del resucitado, podemos encontrarla a veces vagando, perdida y desilusionada ante el escándalo del mal y la violencia del Calvario. No le queda entonces otra opción que tomar en mano el sentimiento de fracaso y preguntarse: ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha sucedido? ¿Cómo ha podido ocurrir? Cela arrive à Adam et Ève dans la première lecture. Leur péché non seulement les a éloignés de Dieu, mais les a éloignés l'un de l'autre. Ils ne peuvent que s'accuser mutuellement. Et nous le voyons aussi chez les disciples d'Emmaüs, dont le malaise d'avoir vu s'écrouler le projet de Jésus ne laisse place qu'à une discussion stérile. Et cela peut également se produire dans la vie de l'Église, la communauté des disciples du Seigneur que les deux disciples d'Emmaüs représentent. Bien qu'étant la communauté du ressuscité, elle peut se trouver perdue et déçue devant le scandale du mal et la violence du calvaire. Elle ne peut alors rien faire d'autre que serrer dans ses mains le sentiment de l'échec et se demander qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cela est-il arrivé, comment cela a-t-il pu arriver. Hermanos y hermanas, son preguntas que cada uno de nosotros se hace a sí mismo, y son también cuestiones candentes que resuenan en el corazón de la Iglesia que peregrina en Canadá en este arduo camino de sanación y reconciliación que está realizando. También nosotros, ante el escándalo del mal y ante el cuerpo de Cristo herido en la carne de nuestros hermanos indígenas, nos hemos sumergido en la amargura y sentimos el peso de la caída. Permítanme que me una espiritualmente a la multitud de peregrinos que suben la escala santa que evoca la subida de Jesús al pretorio de Pilatos, y acompañarlos como iglesia
en estas preguntas que nacen del corazón lleno de dolor. ¿Por qué sucedió todo esto? ¿Cómo pudo ocurrir algo así en la comunidad de los seguidores de Jesús? Frères et sœurs, ce sont les questions que chacun de nous se pose à lui-même. Et ce sont aussi les interrogations brûlantes que cette Église pèlerine au Canada fait résonner dans son cœur sur un éprouvant chemin de guérison et de réconciliation que nous réalisons. Nous aussi, face au scandale du mal et au corps du Christ blessé dans la chair de nos frères autochtones, nous sommes plongés dans l'amertume et nous ressentons le poids de l'échec, de la chute. Permettez-moi alors de m'unir spirituellement aux nombreux pèlerins qui parcourent ici la Scala Santa, qui évoque cette montée de Jésus au prétoire de Pilate, et de vous accompagner en tant qu'Église dans ces interrogations qui naissent du cœur chargé de douleur. Pourquoi tout cela est-il arrivé? Comment cela a-t-il pu se produire dans la communauté de ceux qui suivent Jésus? Y en este punto debemos estar atentos a la tentación de la huida que está presente en los dos discípulos del Evangelio. Huir, deshacer el camino, escapar del lugar donde ocurrieron los hechos, intentar de que desaparezcan, buscar un lugar tranquilo como Emaús con tal de olvidar. No hay nada peor ante los reveses de la vida que huir para no afrontarlos. Es una tentación del enemigo que amenaza nuestro camino espiritual y el camino de la Iglesia. Nos quiere hacer creer que la derrota es definitiva. Quiere paralizarnos con la amargura y la tristeza, convencernos de que no hay nada que hacer y que, por tanto, no merece la pena encontrar un camino para volver a empezar. Ici, cependant, nous devons être attentifs à la tentation de la fuite présente chez les deux disciples de l'Évangile. Faire marche arrière, s'enfuir du lieu où les faits se sont produits, tenter de les enlever, chercher un endroit tranquille comme Emmaüs pour ne plus y penser. Il n'y a rien de pire face aux échecs de la vie que de fuir pour ne pas les affronter. C'est une tentation de l'ennemi qui menace notre cheminement spirituel et la marche de l'Église. Il veut nous faire croire que cet échec est désormais définitif. Il veut nous paralyser dans l'amertume et dans la tristesse, nous convaincre qu'il n'y a plus rien à faire et que ça ne vaut donc pas la peine de trouver une voie pour recommencer. Sin embargo, el Evangelio nos revela que precisamente en las situaciones de desengaño y de dolor, justamente cuando experimentamos atónitos la violencia del mal y la vergüenza de la culpa, cuando el río de nuestra vida se seca a causa del pecado y del fracaso, cuando desnudos de todo nos parece que ya no nos queda nada, precisamente allí es cuando el Señor sale a nuestro encuentro y camina con nosotros. En el camino de Emaús, Él se acerca con discreción, para acompañar y compartir con esos discípulos entristecidos sus pasos resignados. ¿Y qué hacer? No ofrece palabras genéricas de aliento o de circunstancia, tampoco consolaciones fáciles, sino que, develando en las Sagradas Escrituras el misterio de su muerte y su resurrección, ilumina la historia y los acontecimientos que han vivido. De ese modo abre los ojos de ellos para ver las cosas con una nueva mirada. También nosotros, que compartimos la Eucaristía en esta basílica, podemos releer muchos acontecimientos de la historia. En este mismo lugar hubo ya tres templos, pero también hubo personas
que no se echaron atrás ante las dificultades y fueron capaces de volver a soñar, a pensar sus errores y lo de los demás. Así, cuando hace 100 años un incendio devastó el santuario, ellos no se dejaron vencer, construyeron este templo con valor y creatividad. Y todos los que comparten la Eucaristía desde las cercanías de la cercana llanura de Abraham, también pueden percibir el ánimo de aquellos que no se dejaron secuestrar por el odio de la guerra, de la destrucción y del dolor, sino que supieron proyectar de nuevo una ciudad y un país. L'Évangile nous révèle au contraire que précisément dans les situations de délusion et de douleur, précisément lorsque nous expérimentons avec stupéfaction la violence du mal et la honte de la faute, lorsque le fleuve de notre vie se dessèche à cause du péché et dans l'échec, quand dépouillés de tout, il nous semble que nous n'avons plus rien, précisément là, le Seigneur vient à notre rencontre et marche avec nous. Sur le chemin d'Emmaüs, il se joint avec discrétion pour accompagner et partager les pas résignés de ses disciples tristes. Et que fait-il? Il n'offre pas des paroles d'encouragement génériques, des expressions de circonstances, des consolations faciles, mais en dévoilant dans les Saintes Écritures le mystère de sa mort et de sa résurrection, il éclaire leur histoire et les événements qu'ils ont vécus. Ainsi, il ouvre leurs yeux à un nouveau regard sur les choses. Nous aussi, qui partageons l'Eucharistie dans cette basilique, nous pouvons relire de nombreux événements de l'histoire. Sur ce même lieu, il y avait auparavant trois temples. Il y avait ceux qui n'ont pas fui devant les difficultés, qui ont rêvé de nouveau malgré leurs erreurs et celles des autres. Ils ne se sont pas laissés vaincre par le terrible incendie de ce sanctuaire et, avec courage et créativité, ils ont reconstruit ce temple. Et ceux qui partagent l'Eucharistie depuis les plaines d'Abraham peuvent aussi sentir l'âme de ceux qui ne se sont pas laissés prendre en otage par la haine de la guerre, par la destruction et par la douleur, mais qui ont su à nouveau projeter une ville et un pays. Finalmente, ante los discípulos de Emaús, Jesús parte el pan, abriéndole los ojos y mostrándose una vez más como Dios de amor, que ofrece la vida por sus amigos. De este modo los ayuda a retomar el camino con alegría, a recomenzar, a pasar del fracaso a la esperanza. Hermanos y hermanas, el Señor quiere también hacer lo mismo con cada uno de nosotros y con su Iglesia. ¿Cómo pueden abrirse de nuevo nuestros ojos? ¿Cómo puede nuestro corazón inflamarse por el Evangelio una vez más? ¿Qué hacer mientras nos afligimos por las distintas pruebas espirituales y materiales, mientras buscamos el camino hacia una sociedad más justa y fraterna, mientras deseamos recuperarnos de nuestras decepciones y cansancios, mientras esperamos sanarnos de las heridas del pasado y reconciliarnos con Dios y entre nosotros? Enfin, devant les disciples d'Emmaüs, Jésus rompt le pain, rouvrant leurs yeux et se montrant encore une fois comme le Dieu de l'amour qui donne sa vie pour ses amis. De cette manière, il les aide à reprendre le chemin avec joie, à recommencer, à passer de l'échec à l'espérance. Frères et sœurs, le Seigneur veut faire de même avec chacun de nous et avec son Église. Comment nos yeux peuvent-ils être ouverts? Comment notre cœur peut-il encore s'embraser pour l'Évangile? Que faire lorsque nous sommes affligés par diverses épreuves spirituelles et matérielles, lorsque nous cherchons la voie
vers une société plus juste et fraternelle, lorsque nous désirons nous remettre de nos déceptions et nos fatigues, lorsque nous espérons guérir des blessures du passé et nous réconcilier avec Dieu et entre nous. Solo hay un camino, una sola vía, es la vía de Jesús, ese camino que es Jesús mismo. Creamos que Jesús se une a nuestro camino. Dejémosle que nos alcance. Dejemos que sea su palabra la que interprete la historia que vivimos como individuos y como comunidad y la que nos indique el camino para sanar y para reconciliarnos. Partamos con fe el pan eucarístico, porque alrededor de la mesa podemos redescubrirnos hijos amados del Padre, llamados a ser todos hermanos. Jesús, partiendo el pan, confirma el testimonio de las mujeres a las que los discípulos no habían dado crédito, que ha resucitado en esta basílica, donde recordamos a la Madre de la Virgen María y en la que se encuentran también la cripta dedicada a la Inmaculada Concepción. Tenemos que resaltar el papel que Dios ha querido dar a la mujer en su plan de salvación. Santa Ana, la Santísima Virgen María, las mujeres de la mañana de Pascua, nos indican un nuevo camino de reconciliación. La ternura materna de tantas mujeres nos puede acompañar como Iglesia hacia tiempos nuevamente fecundos, en los que dejemos atrás tanta esterilidad y tanta muerte, y colocar en el centro a Jesús, el crucificado resucitado. Il n'y a qu'une seule route, un seul chemin. C'est le chemin de Jésus. C'est le chemin qu'est Jésus. Croyons que Jésus se joint à notre marche et laissons-nous rencontrer par lui. Laissons sa parole interpréter l'histoire que nous vivons comme individus et comme communauté et nous indiquer la voie pour guérir et pour nous réconcilier. Rompons ensemble, avec foi, le pain eucharistique, afin que, autour de cette table, nous puissions nous redécouvrir, enfants bien-aimés du Père, appelés à être tous frères. Jésus, en rompant le pain, confirme ce que les disciples ont déjà reçu comme témoignage des femmes et à qui ils n'ont pas voulu croire. Qu'il est ressuscité. Dans cette basilique où nous nous rappelons de la mère de la Vierge Marie et où se trouve également la crypte dédiée à l'Immaculée Conception, nous ne pouvons que souligner le rôle que Dieu a voulu donner à la femme dans son plan de salut. Sainte Anne, la très sainte Vierge Marie, les femmes du matin de Pâques nous indiquent une nouvelle voie de réconciliation. La tendresse maternelle de nombreuses femmes peut nous accompagner comme Église vers des temps à nouveau féconds où nous laisserons derrière nous tant de stérilité et nous remettrons au centre Jésus, le crucifié ressuscité. De hecho, en el centro de nuestras preguntas, de los trabajos que llevamos dentro de la misma vida pastoral, no podemos ponernos a nosotros mismos y nuestras frustraciones. Debemos ponerlo a Él, al Señor Jesús. En el corazón de cada cosa pongamos su palabra, que ilumina los eventos y nos restituye ojos para ver la presencia eficaz del amor de Dios y la posibilidad del bien, incluso en las situaciones aparentemente perdidas. Pongamos igualmente el pan de la Eucaristía que Jesús parte todavía para nosotros hoy, para compartir su vida con la nuestra, abrazar nuestras debilidades, sostener nuestros pasos cansados y sanar nuestro corazón.
y reconciliados con Dios, con los otros y con nosotros mismos, podremos también ser instrumentos de reconciliación y de paz en la sociedad en la que vivimos. En effet, au centre de nos questions, des peines que nous portons en nous, de la vie pastorale elle-même, nous ne pouvons pas nous centrer sur nous-mêmes et nos échecs. Nous devons nous centrer sur lui, le Seigneur Jésus. Au cœur de toute chose, mettons sa parole qui éclaire les événements et nous rend la vue pour déceler la présence agissante de l'amour de Dieu et la possibilité du bien, même dans les situations apparemment perdues. Mettons le pain de l'Eucharistie que Jésus rompt aujourd'hui encore pour nous, pour partager sa vie avec la nôtre, embrasser nos faiblesses, soutenir nos pas fatigués et nous donner la guérison du cœur. Et réconciliés avec Dieu, avec les autres et avec nous-mêmes, nous pouvons nous aussi devenir des instruments de réconciliation et de paix dans la société dans laquelle nous vivons. Señor Jesús, nuestro camino, nuestra fuerza y consolación, nos dirigimos a ti como los discípulos de Emaús. Quédate con nosotros porque ya es tarde. Quédate con nosotros, Señor, cuando declina la esperanza y cae la noche oscura de la decepción. Quédate con nosotros porque contigo, oh Jesús, nuestro camino toma una nueva dirección y desde los callejones sin salida de la desconfianza renace el asombro de la alegría. Quédate con nosotros, Señor, porque contigo la noche del dolor se cambia en alba radiante de vida. Simplemente decimos, quédate con nosotros, Señor, porque si tú caminas a nuestro lado, el fracaso se abre a la esperanza de una vida nueva. Amén. Señor Jesús, notre chemin, notre force et notre consolation, nous nous adressons à toi comme les disciples d'Emmaüs. Reste avec nous, car le soir approche. Reste avec nous, Seigneur, quand l'espérance se couche et que la nuit de la déception décline. Reste avec nous, parce qu'avec toi, Jésus, le cours des événements change et l'émerveillement de la joie renaît de l'impasse du découragement. Reste avec nous, Seigneur, car avec toi, la nuit de la douleur se change en un matin radieux de la vie. Nous disons simplement, reste avec nous, Seigneur, parce que si tu marches à nos côtés, l'échec s'ouvre à l'espérance d'une vie nouvelle. Amen.
Dieu est toujours à l'écoute des besoins des femmes et des hommes de notre temps. Ces moments particuliers de prière et de louange au Seigneur, présentons-lui les intentions avec Jésus qui nous accompagne sur les routes de la vie. Après chaque intention, nous répondrons « Seigneur, entends notre prière ». Pour notre pape François, que son ministère apporte au monde le réconfort de la bonne nouvelle inaugurée par le Christ ressuscité. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, tu m'as envoyé un message. Amen. Pour les populations autochtones et pour notre nation, que des paroles et des gestes de réconciliation ouvrent la voie à un avenir plein d'espérance. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. For peace in the world, for the increase of initiatives of dialogue between parties in conflict, and an end to all acts of violence and death, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Pour notre assemblée réunie à la table de l'Eucharistie, que la communion et la parole à l'unique pain fassent de nous des artisans de paix et d'amour dans les lieux où nous vivons et travaillons. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour manifester la bonté et ta miséricorde à tous les êtres humains de la terre. Écoute notre prière et exauce-la par le Christ, notre Seigneur. Oh.
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Rappelle-toi, Seigneur, ton Fils est notre paix et notre réconciliation. Par son sang, il a enlevé le péché du monde. Accueille avec bonté les dons de ton Église. Heureuse de célébrer ce temps de grâce, donne-nous de pouvoir apporter à tous la liberté du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous l'avons envers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce et de chanter ta louange, Dieu le Père Tout-Puissant, pour l'œuvre que tu accomplis dans ce monde par notre Seigneur Jésus, le Christ. Au sein de notre humanité encore désunie et déchirée, nous savons d'expérience que tu changes les cœurs et les prépares à la réconciliation. Ton esprit travaille le cœur des hommes pour que les ennemis se parlent à nouveau, les adversaires se tendent la main et que les peuples cherchent à se rencontrer. Oui, c'est ton œuvre, Seigneur, quand l'amour l'emporte sur la haine, quand la vengeance fait place au pardon et la discorde se change en amitié. C'est pourquoi, unis au cœur céleste qui te chante, nous ne cessons de te rendre grâce et sur la terre, nous proclamons sans fin ta gloire. Père Tout-Puissant, nous te bénissons par Jésus-Christ, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole du salut pour les hommes, la main que tu tends aux pécheurs, le chemin par où nous arrive la paix que tu donnes. Alors que nos péchés nous avaient détournés de toi, Seigneur, tu nous as conduits à la réconciliation. Pour que, tournés vers toi, nous nous aimions les uns les autres par ton Fils que tu as livré pour nous à la mort. Et maintenant que nous célébrons la réconciliation que le Christ nous a obtenue, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au cours du repas, lui qui allait donner sa vie pour notre libération, il prit le pain dans ses mains et, te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, ce soir-là, il prit dans ses mains la coupe de bénédiction, en proclamant ta miséricorde, puis il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, qui nous a laissé un tel gage de son amour, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice de la parfaite réconciliation. Père très saint, nous t'en supplions, accueille-nous avec ton Fils, et dans ce repas qui nous sauve, accorde-nous son esprit, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions. Que ce même esprit fasse de ton Église le signe visible de l'unité entre les hommes et l'instrument de ta paix. Qu'il nous garde en communion avec notre pape François et mon frère évêque Gérald, évêque de cette Église de Québec. Pour moi-même, ton humble serviteur, avec l'ensemble de mes frères évêques, et ton peuple tout entier. Et comme tu nous as réunis maintenant à la table de ton Fils, rassemble-nous un jour auprès de la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec tes bienheureux apôtres et tous les saints, avec nos frères et sœurs, avec les hommes et les femmes de toute origine et de toute langue qui sont morts dans ton amitié. Ce jour-là, rassemble-nous au banquet de l'unité à jamais accomplie dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle, où resplendit en plénitude la paix qui vient de toi, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité, je tenez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous avons reçu le sacrement de ton Fils et nous te prions, Seigneur, qu'il augmente nos forces et nous donne de puiser dans ce mystère d'unité l'amour authentique qui fera de nous en tout lieu des artisans de la paix qui vient de toi. Par le Christ, notre Seigneur. Très Saint-Père, cher Pape François, merci d'être avec nous, d'être venu jusqu'à nous, marcher avec nous. Jésus nous a fait une puissante leçon de pédagogie lorsqu'il se joint à la marche des deux disciples, désenchantés sur le chemin d'Emmaüs. Comprenant leur désarroi, il prend la route avec eux. Il écoute leurs doléances. Il éclaire leur foi jusqu'à la révélation de sa présence par le geste qui les propulse vers la mission. Jésus leur devient invisible soudainement, laissant à l'Esprit-Saint le soin de les accompagner vers la vérité tout entière. Le Seigneur a passé en penser leurs plaies et apaiser leurs désillusions. Il a changé le sens de leur existence et infléchi la trajectoire de leur vie en les dirigeant vers ceux et celles qui sont en quête d'un message d'espérance pour vivre dans la dignité d'enfant de Dieu. Vous voici au Québec, très Saint-Père. Précisément en ce sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré, marchant sur les chemins qu'a foulé il y a près de 3 siècles et demi notre premier et vaillant évêque et pasteur, Saint François de Laval, Saint François de Québec. Sa mission a été poursuivie par des myriades de disciples missionnaires venus de tous les horizons et brûlant du même feu sacré d'annoncer l'Évangile en cette terre d'Amérique. En dépit de réalisations exceptionnelles, les routes ont été parsemées d'embûches, éclaboussant la beauté du message évangélique. Des scandales ont éclaté, des divisions se sont opérées, la foi s'est affadie. Un puissant appel à la guérison et à la réconciliation s'est élevé des cœurs et de vies meurtries, comme une tempête dont l'écho a résonné jusqu'à vous. Vous avez entendu les récriminations et reconnu leur gravité, et comme le maître d'Emmaüs, vous avez pris la route pour venir marcher avec nous sur le chemin de la guérison et de la réconciliation. Ensemble, nous engageons une démarche d'ouverture à nos réalités particulières, en reconnaissant bien humblement nos défaillances. Mais surtout, nous cherchons les remèdes capables non seulement d'extirper le mal à sa racine, mais de mener nos communautés assoiffées de justice, d'unité et de paix vers une guérison complète. Tant de personnes vous doivent leur plus sincère reconnaissance. Celles qui sont ici rassemblées et celles qui vous accompagnent tout au long de votre pèlerinage en notre terre canadienne. Mais en premier lieu, nos frères et nos sœurs des Premières Nations, les Métis et les Inuits de chez nous. Votre profonde et sincère sollicitude procure un baume pour la guérison de profondes blessures et un élan nécessaire dans le processus de réconciliation
tellement bénéfique pour la paix. Nous savons, très Saint-Père, que les résultats attendus ne peuvent survenir du jour au lendemain. Ils exigent de formidables doses de résilience, de gestes sincères d'accueil et d'empathie. Par votre présence au milieu de nous, vous démontrez que nul effort n'est utile, que toute démarche de réconciliation exige une part importante de renoncement, une forte dose d'humilité, de compréhension et d'ouverture à la vie et à la culture des autres. Merci de nous accompagner sur la route de la guérison et de la réconciliation. Merci de prier pour nous, comme nous vous assurons nous-mêmes de vous accompagner le mieux possible sur la route de votre exigeante mission. Merci, cher Pape François, pour vos mots et vos gestes encourageants et interpellants. Nous aurons bien le goût de vous dire, comme les disciples d'Emmaüs à Jésus, « Reste avec nous ». Mais nous savons que votre présence de pasteur est attendue ailleurs, où d'autres frères et sœurs ont besoin d'être réconfortés et confirmés dans leur foi. Bonne route, très saint Père. Buen viaje, Santo Padre. Y puede contar con nuestras humildes oraciones. Este pueblo lo quiere y necesita de su liderazgo y de su testimonio de fe. Que Jésus veille sur vous, ainsi que sa mère, la Vierge Marie, et sa grand-mère, la bonne Sainte Anne. Nos frères et sœurs anglophones vous disent du fond du cœur « Thank you, Holy Father ». Les Wendat vous disent « Tiawenk ». Les Inuits « Tainashkumitin ». Les Inuits « Nakurmik ». Les Cris « Miigwech ». Les Atikamek « Mitwete ». Moi, je vous dis au nom de la grande famille que nous formons, de tout cœur et avec toute notre reconnaissance, merci. Que le nom du Seigneur soit béni. Nos secours est dans le nom du Seigneur. Je vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Il y a exactement 20 ans, le 28 juillet 2002, le pape Jean-Paul II présidait la messe de clôture de la Journée mondiale de la jeunesse au Canada, à Toronto. Nous vous proposons, en terminant notre célébration d'aujourd'hui avec le pape François, de reprendre le chantème d'il y a 20 ans, « Lumière du monde ». De nos yeux nous avons vu, celui que de nos mains nous avons pu toucher, celui que nos oreilles ont entendu, celui que dans nos cœurs nous avons rencontré, voilà celui que nous vous annonçons et qui a resplendi sur la terre où nous vivons. Lumière du monde, c'est de la terre. Soyons le monde, visage de l'amour. Lumière du monde, Fils et lumière. Soyons pour le verre, qui reflète de sa lumière au jour le jour. S'il fallait qu'au plus fort de la nuit, ce monde à bout d'espoir bascule de sommeil, qui surprendra ses rêves endormis, pour lui montrer l'aurore, annonçant le soleil qui restera de nous comme un gardien, qui sera